apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Salut, c'est moi Blippi et aujourd'hui nous sommes chez Party Jungle à Phoenix en Arizona et on va méga s'amuser. Venez. Oh oh oh, regardez ça. Ouh, hello. Comment ça va? Très bien, merci. Oh, j'ai trop hâte. Oh, regardez ça. Amusez-vous. Oh merci. Oh, un bracelet et des jetons. Bye bye. Bye. Hey, je mets ça dans ma poche pour plus tard. Oh, c'est parti pour un tour. Wow, regardez ça. Quel est ce genre d'animal? Oui, c'est un éléphant. Tu veux faire l'éléphant avec moi? Les éléphants sont énormes! Boum, boum, boum! Ok! C'est parti! Wow! Wow! C'était trop génial ce petit tour d'éléphant. Et tellement fun de faire l'éléphant. Allons faire un petit tour ailleurs. Oh, oh, regardez celui-là. Merci. Wow. Hey, on dirait une balançoire. Connaissez-vous un animal qui adore se balancer sur les arbres? Oui, les singes adorent se balancer sur les arbres. Allez, on fait le singe, ok? Allez, on s'installe. Ok, et voilà. Ok, s'assoit. Oh. Voilà, c'est bon, on s'attache. Comme ça. Et... Ok, je suis prêt. Oh. 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 Oui, c'est parti. Ok, oh, oh, je m'amuse comme un fou. Oh, j'ai un peu faim. Oh non, je suis coincé. Faisons comme le singe pour se sortir de là. Oui, bien joué. Ok, à bientôt. Waouh, je commence à avoir faim. Oh, vous avez faim? Allons-y! Oh oh! Prenons un petit tanka! Hey, hey. Allez! Oh! Puis-je avoir des biscuits animaux? Bien sûr! Oh, des biscuits animaux! Oh! Et voilà! Merci! Ok, allons nous asseoir! Pourquoi pas ici? Oh, oh, oh! Allez, ouvrons-les. Waouh, tous ces animaux! Posons ça juste là. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est un chien! Ouh!
j'ai une idée. Et si on mangeait nos biscuits comme font les chiens? Savez-vous manger comme les chiens? Ouais, sans les mains. C'est dingo. Ok, voyons ce qu'il y a d'autre par ici. Waouh, cet endroit est vraiment cool et plein de couleurs. Waouh. Oh, regardez ça, un mini golf. Waouh. Hey, et voilà, deux clubs. Vous voulez celui-là ou celui-là? Prenons celui-là. Il a l'air juste à ma taille. On a donc un club bleu et une balle orange. Mes deux couleurs préférées. Ok, tout va bien. Ok, c'est parti. Oh, attendez un peu. Vous avez vu ça? Quel est cet animal? Wow, c'est un zèbre. Wow, noir, blanc, noir, blanc. Hey, savez-vous que les zèbres sont en fait tout noirs avec des rayures blanches? Intéressant. Faut pas que j'oublie ça. Wow, wow, un hippopotame. Wow, c'est dingo! Allez, on fait l'hippopo! Les hippopos sont énormes! Ils adorent l'eau! Et la terre aussi! Plutôt intéressant! Oh, allez! C'est reparti! Oh! Oh! J'y suis presque arrivé! Wow! Regardez! Oh! Ça, c'est un cheval! Alors, cheval, ça va bien? J'adore les chevaux! Ils sont si gentils la plupart du temps! Et ils adorent galoper! Hé! Hey, allez, au galop! Ok, je vais mettre ce cheval ici, parce que nous avons un autre petit tour à faire. Je vous en prie. Venez! Wow! Hello! Salut! Ah, c'est dingo! Hello! Salut, Blippi! Oh, venez là! Hello! Comment allez-vous? Bien. Oh, très bien! Vous êtes impatient? Ouais. Ok, on y va! Wow! Hello! Salut! Comment ça va? Check! Wow! Ok! Ok, je m'assois là et je mets la chaîne comme ça. Maintenant, on est prêt à y aller. Oh! Oh! Hello! Génial! Chou chou!
voyons ce qu'il y a d'autre ici. Waouh! Une cage à poules! Waouh! Regardez! Waouh! Un joli petit animal! Hello! Ah, c'est un paresseux! Saviez-vous que les paresseux bougent très lentement? Là, venez! Faisons le paresseux ensemble! Ok, pour faire comme le paresseux, il faut bouger très lentement. Prêt? 3, 2, 1! Avez-vous déjà vu un paresseux nager? Vous devriez regarder, c'est trop drôle! Les paresseux bougent hyper lentement sur Terre, mais quand ils nagent hyper vite! 3 fois plus vite que sur la Terre! Wow! Hey, dans cet espace, il faut ôter les chaussures. Alors, je quitte mes chaussures. Et c'est parti! 1, 2, ouais! Allez! Wow! Oh! 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 Ah! Cet endroit est génial! Wow! Regardez ça! Oh! 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 Oh, qu'est-ce que c'est? Wow! Quel est cet animal? C'est trop mignon! C'est noir et blanc. Oh, c'est un pingouin! Oui! Faisons le pingouin ensemble! Ok, oh, il faut juste vous dandiner! Wow! On se dandine, on se dandine, on se dandine! On se dandine, on se dandine, on se dandine! Ok, remettons les chaussures et allons jouer jeu d'arcade. Oh, punaise. Ok. Oh, voyons voir. Wow, regardez ce jeu. Oh, ok. Mettons la pièce. Prenons le marteau, on est prêt. C'est trop génial! Vous voyez, je les tape quand ils sortent. Ça devient difficile. Il y en a 2 qui sortent en même temps. Je commence à fatiguer. 3 qui sortent maintenant. Je les ai eus. C'était super dur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, je connais un jeu ici. Venez par là. Dance Dance Revolution. Wow. Je suis hyper bon à celui-là. Soyez prêts. Woo!
tour de poisson. Et voilà. Wow, wow. Oh, c'est comme si je nageais. Je suis sur le poisson. Joué. Ouh, c'était épuisant. Oh, un autre manège. Waouh. Ouais, ça y est, voilà. Oh, parfait. Et c'est bon. Oh. Ok, celui-là, il est trop cool parce que tu tournes sur toi-même. Ok, c'est bon. Ah, je suis prêt. Cheval. Oh, oh. Ok, ça tourne. Oh, 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 la tête qui tourne. Oh. Oh. Oh, vous avez vu la vitesse à laquelle je tournais? Oh, c'était génial. Oh, je me suis tellement amusé chez Party Jungle avec vous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais si vous voulez voir plus de vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Voilà, c'était fabuleux de passer du temps avec les animaux et vous. Bye bye. Venez les amis, apprendre c'est génial. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, je suis au zoo de Phoenix. À Phoenix, en Arizona. Hey, je crois que vous et moi, on va étudier quelques animaux aujourd'hui. Allons-y. Oh, est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est un singe hurleur. Ouais, vous le voyez? Ouais, là-bas! Ça, c'est Bilbon, nommé d'après Bilbon Saquet. Hey, c'est rigolo! Faisons les singes ensemble! C'est Lulu le rhinocéros. Et Lulu a 21 ans. Oh, ouais, Lulu, c'est la fête. Wouh. Ouais. C'est un toucan. Vous avez vu son large bec? Ça ressemble à une banane. Ah! Oh! Hey! Qu'est-ce que vous faites là-bas? Venez par là! Allons voir d'autres animaux. Oh! Oh! Regardez ça!
Vous savez quel animal c'est, ça? Oui, c'est un tigre. Wow, hello, Minou. Wow, venez par là. Retournez-vous. Ouh. C'est là que les tigres vivent. Hey, regardez qui est là-bas. J'ai l'impression qu'on se prépare pour le dressage. Vous avez vu ça? Le tigre fait exactement ce qu'il lui dit. Ils ont l'air de bien s'amuser. Vise. Bien. Vise. Wow! Ça, c'était vraiment cool. Vous avez vu ça? Hey, pourriez-vous nous dire pourquoi vous faites ça? Mais bien sûr, je vais vous expliquer. Alors, nous dressons les animaux afin qu'ils appréhendent les choses plus simplement. Pour eux et pour le personnel, en fait, on n'apprend pas aux animaux à faire des numéros. On leur apprend à se comporter correctement. Comme par exemple, lorsque je demandais à Joy de viser avec son nez le bout de la perche. Ça le faisait changer de position et ça me permettait de voir les différentes parties de son corps, simplement. Lorsqu'on incite à se mettre debout, ce n'est pas juste pour voir son envergure impressionnante. Cela nous permet de voir son ventre. Parce que comme nous, ils peuvent se blesser, avoir des coupures, des hématomes. C'est pour ça que j'ai besoin de vérifier tout son corps afin d'être sûr qu'il se porte toujours bien. Oh! Eh bien, merci beaucoup de m'avoir montré comment vous travaillez. Je vous en prie. Bon, à très bientôt. Merci. Allons voir d'autres choses. Vous voyez cet animal? C'est un autre chat. Ça, c'est un jaguar. Oh! Regardez, j'ai un seau de carottes et des pinces. Et on vient juste de nous dire qu'il fallait nourrir le prochain animal. Venez. Et regardez ça. Ce sont des câbles. Et il faut rester de ce côté des câbles. Mais nous, on a eu la permission pour pouvoir nourrir les animaux. Allons-y. C'est une petite barrière. Intéressant. C'était pas trop dur de rentrer. Oh! Je vois l'animal, regardez! Oh! Ah, passons à travers les arbres. Wow! Hey, regardez! Regardez quel animal! Nous devons nourrir. Voyez ça? Oh! Vous savez quel type d'animal c'est, ça? Ça, c'est une tortue! Allons nourrir la tortue! Ouais! Regardez ça, ça c'est une carotte. Et j'utilise des pinces, car les tortues ont des mâchoires très puissantes. Et elles pourraient me couper le doigt. C'est parti! Wow! Oh, oh, ça glisse! C'est reparti! Oh! Oh! Oh, tu en veux encore un peu? Ouais? Ok. Et voilà! Oh! Ça y est! Oh! Cette tortue pèse environ 250 kilos! Oh!
Ça, c'est très très lourd. Et à votre avis, quel âge a-t-elle? Oh, elle a 66 ans. Oh, ça, c'est vraiment très vieux. Oh, bonjour. Hé, regardez ça. Je caresse la tortue sur la tête. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, oh, regardez. La tortue ne touche pas le sol, vous voyez ça? Ça permet à toutes les bestioles et les autres de rester à distance de son ventre. Oh! Ok, allons prendre d'autres carottes. Oh! Bonjour! Comment vas-tu? Tu passes une belle journée? Oh, regardez bien! Vous voyez cette tortue? Cette tortue est une tortue des Galapagos. Et c'est une femelle! Oh! Oh, c'est parti! Oh, et voilà le mâle! Vous avez vu comme il est gros? Je me fais coincer! Ok, je me mets juste là. Voyez celle-là, comme elle est plus petite? Et celui-là, plus grand? Oh! Ça, c'est une femelle. Et celui-là, c'est un mâle. Oh! Vous vous aimez tous les deux? Ouais! Vous avez l'air d'être amis. Oh! 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 Vous en voulez encore? Oh! Oh! Ah! Bien joué! Oh, tu l'as fait tomber! Oh! Hé! Hey, venez plus près! Ok, allons-y. Et voilà! Bien, ouvre grand! La carotte arrive! Wow! Oh! Et voilà! C'est bon? Hé! Hey! Les tortues aiment les carottes! Comme moi. Et les carottes sont très bonnes à la santé. Et voilà. Oh, tu as une grande bouche. Oh, oh, oh. Regardez, je gratte la tortue. Regardez ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. Ouais. Vous voyez comme la tortue se tient haut sur ses jambes, au-dessus du sol? Dans la nature, elles font ça car il y a un tas de bestioles qui passent sous elles. Et ça permet aux pinsons, qui sont des petits oiseaux, de voler en dessous et de manger toutes les bestioles qui sont sous la tortue. Ouais, mais pour l'instant, elle se tient debout sur ses jambes parce que ça fait vraiment du bien. Ça fait un peu comme quand une grande personne vous gratte le dos. Ouais, j'adore quand ma maman me gratte le dos. Qu'est-ce que ça fait? Tu aimes ça? Ouais. Ouais. Ok. À mon tour. Ok. Mon tour. Je suis prêt. Je suis prêt. Blippi! Oh, regardez ça. C'est un tatou commun. Ok, c'est parti. Tu es libre. Oh, regardez. Le tatou commun est l'un des ambassadeurs de ce zoo. Cet animal peut donc venir vous voir en face à face. Oh! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux une friandise? Les tatous adorent les verres de farine. Et voilà. Oh, oh. Hey! Viens un peu par ici. Juste ici. Regardez. Est-ce que ce tatou a l'air dur? Ouais, c'est un peu dur. Mais ce n'est pas une coquille.
C'est de l'os sous la peau du tatou. Waouh! Oh. Ok, ça, c'est Princesse Bouton d'Or. Oh bien! On y va! On y va, Princesse Bouton d'Or. Oh! Regardez, Princesse Bouton d'Or et ses jolis petits ongles. Oh! Ok, tu es libre! Regardez cet animal! C'est quoi comme type d'animal? Ça, c'est un porc-épic à crête indienne. Wow! Regardez toutes ces épines! Les grandes sont juste faites pour faire peur, mais les plus dangereuses sont vers le bas de sa queue. Oh, ok! Là en bas? Wow! Et que fait-elle en ce moment? Elle se régale avec un petit encas. Oh. Elle adore les plantes. Et là, on lui a donné des biscuits, des patates douces et un peu de pommes. Ouh, ça a l'air assez bon en fait. Ouh, regardons d'un peu plus près le porc-épic. Wow, il ne faut pas toucher cet animal sur sa queue. Blippi! Wow! Regardez ça! Cette nouvelle partie est trop cool! Wow! Vous entendez ça? Toutes ces choses sont en train de travailler dur pour simuler exactement l'environnement de l'océan. Venez par ici! Wow! Regardez ça! Wow! Il y a tellement de filtres et plein d'autres trucs! C'est trop cool! Ok, venez par ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Ouais! Ça, c'est la baie des raies! Et ils apprennent aux raies à faire des trucs vraiment cool! Si vous venez dans ce zoo, vous pouvez, en mettant votre main bien à plat, toucher les raies sur leur dos. Et moi, ils me laissent aller à l'intérieur! J'ai trop hâte! Premièrement, je dois enlever mes chaussures. Une chaussure. Oh! Deux chaussures! Ok, mettons-les là. Il ne faut pas oublier les chaussettes. Parce que... je vais devoir enfiler ça! Wow! C'est comme des chaussettes d'eau! Des chaussettes d'eau! Ok, enfilons-les! Bien! Ok! Ok! Je suis prêt! Allons-y! Il faut être gentil, doux et lent pour ne pas les effrayer. Wow! Oh, l'eau est bien, bien froide. Ok! Oh! Ok! Salut! Comment ça va? Très bien, et vous? Bien, quel est votre nom? Mon nom est Marie, et là c'est Chelsea. On travaille ici au zoo de Phoenix. Wow! Alors qu'est-ce que vous faites là maintenant? Alors là, nous servons le petit déjeuner aux raies, et nous les observons pour s'assurer qu'elles sont toutes en bonne santé et heureuses ce matin. Oh, ça a l'air fun! Je peux vous aider? Bien sûr, ça vous dirait de les nourrir? Ah ouais! On donne à manger aux raies! Ok. Donc... regardez-les. Oh. Donc, alors, il y a des crevettes et des éperlans. Vous pouvez en prendre un peu et les mettre dans votre main. Ok. Regardez le repas. Wow. Ça a l'air trop bon. Ok, j'en prends dans ma main. Vous les tenez comme un cornet de glace. Ok. Oh, comme une glace. Ok, juste comme ça.
Mettez-les bien dans le fond de l'eau. Elles vont nager sur votre main et elles vont aspirer ce qu'il y a dedans comme un aspirateur. Ok. Ok, et voilà. Regardez celle-là! Vous avez une raie pastenague à taches bleues assise sur votre pied. Oh! Ok! Il faut que j'aille tout au fond de l'eau? Voyons ce qu'on peut faire. Venez, les amis. Allez! Oh! Ça y est! C'est fait! Il n'y a plus rien! Elle a tout aspiré dans ma main! Je peux recommencer? Vous pouvez, tenez. Oh, merci! Elles aspirent la nourriture juste là dans ma main. C'est comme si vous mettiez un aspirateur sur votre main. Et alors, l'aspirateur aspire dans votre main. C'est l'impression que ça fait quand elles aspirent la nourriture dans votre main. Wow! Celle-là vient de passer entre mes jambes. Wow! Regardez-les! Elles s'habituent à vous maintenant. Elles peuvent sentir le battement de votre cœur. Ok. Elles ont compris que vous ne leur ferez pas de mal et alors elles viennent de plus en plus près. Wow. D'autant plus qu'elles se sentent à l'aise avec vous. Ouais. Regardez-les! Hello! Wow! Elle m'a fait peur! Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont juste un peu excitées. Ok. Excitées, pas effrayées. Ouais. Ok, parce que j'ai eu un peu peur. Oh, mais bon, c'est ok. Elles ont l'air vraiment gentilles. Oh! Wow! Oh! Elle recommence! Voilà, je suis tout mouillé maintenant. C'est bien. Donnons encore à manger. Oh, regardez un peu toutes ces raies. Wow! Oh! Et voilà, bye bye les raies! Oh, maintenant nous allons faire un tour de chameau. Amuse-toi bien, Blippi. Merci. Allez! Regardez, ça c'est le dos du chameau. Vous voyez la bosse? Je vais. Me voilà sur le dos d'un chameau. Ok. C'est parti. Regardez ça. Oui. Oh. Hey. Regardez. Je suis sur la bosse du chameau. Oh. C'est un beau chameau. C'est un chameau d'Arabie. C'est hyper haut ici. Wow. Ah, c'est tellement fun. Ah, oui. Hello. Regardez ça! Vous voyez la bosse du dromadaire? C'est dans cette bosse qu'ils gardent leurs réserves. Ils peuvent tenir environ 7 mois sans manger. Ou 3 à 4 semaines sans boire une seule goutte d'eau. C'est impressionnant, non? Waouh! Oui! De très longues pattes. Et il a 4 pattes. Vous et moi, nous en avons 2. Oh! Très bien, c'est vraiment fun.
C'était génial, merci beaucoup. Je vous en prie. Super. Ok, allons voir un peu d'autres animaux. Pipi. Oh. Maintenant, on est dans les coulisses de l'exposition des natifs d'Arizona. Oh, regardez ça. Là. Des outils. Hey. À quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble un peu à un club de golf. Mais en fait, vous voyez ce crochet? C'est fait pour tenir certains types de reptiles, comme les serpents. Ok, je ne vais pas m'en servir, car je ne suis pas un vrai professionnel. Oh, regardez ça! Waouh! Des aquariums! Les poissons sont de l'autre côté. On est derrière la scène. Waouh! Regardez cette pièce! Waouh! Ça, c'est une boîte. Et c'est ici que vivent les serpents. Regardons ce que c'est. Serpent à sonnette. Venimeux. Oh, ok, je vais pas prendre celui-là. Car, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un professionnel. Trouvons un serpent que je pourrais tenir. Oh, cette pièce est plutôt cool. Oh, il y a un paquet de cages ici. Wow. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mues de serpents. Wow. Tous les serpents mues. Tous les deux ou trois mois. Regardez ça. Elles sont en une seule pièce. Regardez, ça ressemble pas à un serpent, ça? Ouais. C'est plutôt cool, hein? Ok, 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 je garde ça là. Ok. Ouais, celui-là a l'air d'être un bon serpent à tenir. Je tiens un serpent. Oh, ouais, regardez la couleur de ce serpent. Il est orange, blanc et noir. Waouh! Vous savez, j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Mais maintenant, ça va. Faut dire qu'il y a des serpents qu'il ne faut surtout pas prendre. Alors, si vous voyez un serpent dans la nature, soyez prudent. Et n'allez surtout pas essayer de le prendre comme ça. Ok. Oh. Regardez, tu t'amuses bien, le serpent? Oui. Hello. Hey. Regardez ça. Oh. Il est intrigué par la caméra. Oh. Wow. C'est génial. On est dans les coulisses d'un autre espace de reptiles. Il y a plein de terrariums ici, occupés par des créatures spéciales. Wow! Hey! Wow! Regardez ici! Oh, hey! Il y a quelqu'un par ici! Venez! Wow! Hey, qu'est-ce que tu fais? Je me préparais à sortir un lézard cornu, vous voulez le tenir? Ouais! Un lézard cornu, trop cool! Ok! Ok, merci. Wow, regardez. Ça, c'est un lézard cornu. Regardez ses cornes. Wow. Trop mignon. Oh, il est tranquille. Ok, ben merci beaucoup. Ok, voilà. C'était excellent. Bien joué! Allons-y! Thank you.
Regardez, une grande girafe. Oh, elle fait ma taille. Hello, hello. Oh, un lion. Oh, un éléphant. Oh, regardez. C'est un gorille. Hey, et des serpents. Ouais, j'ai pu tenir un serpent. Waouh, c'est pas cool ça. Wow, il y a trop de choses cool ici. Oh, suivez-moi. Ouh. Oh, il y a même un dinosaure. Un Tyrannosaurus Rex. Intéressant. Eh bien, c'était trop méga fun d'apprendre tout ça sur les animaux ensemble au zoo. C'est la fin de la vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Ah, prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Ok, à la prochaine. Salut, venez là. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes à Odyssey Dale, à Scottsdale, en Arizona. Venez. Ça va être trop génial. Je pense qu'aujourd'hui, vous et moi, nous allons étudier des animaux. Wow, regardez cet endroit. Oh, ça, ce sont des gouttes de pluie. Hello. Ok, allons par ici. Presque au sommet. Ouh. Ouais, allons-y. Ça va être trop méga fun. Oh, vous avez vu ça? J'ai juste mis deux doigts derrière la tête sur le dos de cet esturgeon russe. Oh, il a l'air d'aimer ça. Wow, ça fait trop du bien. Rugueux, mais il y a comme une sorte de couche de vase sur le dessus. Ça l'aide à garder les parasites à distance. Oh, il y en a un autre. C'est génial. Wow, vous avez vu ça? Je viens juste de toucher une raie du bout des doigts, tout doucement sur son dos. Wow. Ok, attrapons-en. Attrapons-en une autre. Oh, il y en a une autre par ici. Oh. Ouais. Oh, oh, il me nargue. Oh, venez par là. Wow. Il y en a de partout. Oh, regardez celle-là. Elle se repose juste là au fond. C'est une espèce différente. Oh, en voilà une. Je vais vous décrire ce que ça fait. C'est un peu une sensation de... Oh, encore une là. Oh, ouais, j'ai réellement la sensation maintenant. Une sensation de... bonbon. Un nounours humide. Glissant et doux en même temps.
mais ferme également. Wow, ça c'est fun. Wow! Oh hey! Hello Blippi! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis juste assis là, je regarde mon poisson favori, le poisson spatule. Wow! Le poisson spatule! Super cool! Ah ouais! Ouais! À la prochaine! À la prochaine Blippi! Wow! Ça c'est vraiment cool d'être dans les coulisses d'un aquarium! Hello! Salut! C'est trop génial! Ouh! Salut! Tous les employés sont cool ici. Waouh! Regardez ça! On est au sommet d'un aquarium! Waouh! Toute cette eau! Et ces poissons là en dessous! Waouh! Ok, suivez-moi! Waouh! Regardez cette pièce! Oh, il y a tous ces équipements de plongée! Bouteille, combinaison. Wow! Ok, il faut qu'on aille donner ces poissons aux requins. Je parie qu'ils sont affamés. Venez! Wow! Wow! Ok. Oh! Regardez ça! Celui qui a dessiné ça est un artiste. On peut voir les différentes parties du requin. Ouais! Des branchies. Wow! Regardez! Ouais, on y va! Et voici! Oh, merci! Ouais! Je vous en prie, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Danny! Voici Danny! Et que faites-vous ici? Eh bien, on est là avec Cathy. Et elle est en train de nourrir le gros requin en bas. Wow! Regardez, je vois un poisson là-bas, regardez! Oh, pourquoi tient-elle un poisson sur une perche? C'est avec ça qu'on donne à manger aux requins. Parce qu'ils sont assez loin dans le fond du bassin. Elle a donc besoin d'un outil très long pour amener la nourriture jusqu'à leur bouche. Ok. Donc, elles tiennent la perche avec le poisson au bout. Et ensuite, le requin arrive et prend son souper. Ça a l'air fun. Wow! Ces poissons ont l'air gros! Quelle est la taille des poissons que mange le requin? À peu près comme ça. On l'appelle le poisson bleu car il a une teinte bleutée. Ok. C'est un poisson bleu et ils sont gros comme ça. Alors, quel genre de poisson nous avons là? Alors, vous avez ici des harengs. Ce sont ces gros poissons-là. Ok. Ensuite, des capellans, qui sont des petits poissons comme ça. Ok. Oh, intéressant. Oh, hey, oh. Bon, c'est assez cool de voir quelqu'un faire ça, mais... Hey, est-ce que je peux nourrir les requins? Ouais, absolument. Ouais, ok. Juste, assurez-vous de bien mettre vos gants, parce que le poisson, ça sent pas très bon. Ok. Oh, et voilà. On enfile bien les gants. Ça m'évitera de sentir le poisson pendant des semaines. Ok, très bien. J'ai mis mes gants. Et voilà, un gant, deux gants. Très bien. Et maintenant, que dois-je faire? On va juste prendre cette bassine que vous avez ramenée de la cuisine et on ira par là-bas. Ok, très bien. Ok. Ok. Super. Nous allons les nourrir là, sur la plateforme. Ouais. Dès qu'on va monter dessus, les poissons vont venir nous voir. Ok. Wow. Regardez. Je suis sur la plateforme. Oh, regardez. Pas de barrière entre moi et les poissons. Ok. Attention, je vais sauter. Ah non, mais je rigole. Bien, c'est parti. J'en jette qu'un seul à la fois? Ouais. Comme vous voulez. Un à la fois ou tous en même temps. J'ai compris. Amuse-toi bien. Allez. Ouh, regardez-les venir. Ils se régalent avec ces poissons.
Waouh, regardez-les tous! Ils affluent à la surface! Parce qu'ils comprennent que je lance tous ces poissons pour eux! Ohé! Ohé! Waouh! Et voilà les poissons! Est-ce que c'est bon? C'est bon les poissons? Ou bien c'est bon? Ok, il en reste un peu. Et voilà! Waouh! C'était trop méga fun! Bon boulot! Wow. Oh, elle nourrit une tortue. Venez. Wow. C'est super cool par ici. Wow. Ok, allons par ici. Wow. Oh. Ok, qu'est-ce que vous faites? Je nourris Greta, la tortue verte de mer. Wow, elle nourrit Greta. Joli nom. Voici Greta. Vous voyez Greta? Hello Greta. Hey. Oh, qu'est-ce que Greta aime manger? Greta adore la laitue. Mais elle aime aussi les concombres, les poivrons, et même parfois les carottes. Wow! Laitue, poivron, concombre et carotte. Apparemment, Greta mange très sainement. Je peux donner à manger à Greta? Ouais! Ok, très bien. Comment je fais? Juste un peu? Ouais, on en donne un peu, une feuille entière. Il faut juste la jeter devant elle. D'accord. Et voilà, Greta! Wow! Hey, qu'est-ce que tu fais derrière toi? J'en lance une autre? Ah, ça y est. Bien sûr. Et voilà. Parfois, elle n'a pas assez à manger. Ok. Ouais. Oh, Greta est affamée. Encore un peu, Greta? Voilà. Oh, Greta est bien grosse. Vous voulez savoir combien elle pèse? Elle pèse un peu plus de 45 kilos. Oh! 45 kilos! Wow! Et voilà. Ouh. Ok, et voilà. Une grosse feuille de laitue. C'est ça que Greta va manger. Et voilà. Hé! Hey, c'est par là! Ouais! Wow! Hey! Hello! Wow! C'est une grosse feuille de laitue! Hello! Hey! Hello! Venez! Puisque nous avons touché les animaux, je pense qu'il serait bon d'aller aux toilettes pour laver les mains. Allons-y! Ok, bienvenue aux toilettes! Waouh! Regardez! Oh, oh! Oh! Vous avez vu, ces toilettes sont sous l'eau! Et elles ont d'ailleurs gagné le prix des meilleures toilettes d'Amérique! Waouh! On peut se laver les mains là! En observant les requins! Les requins et les poissons! Wow! C'est génial! Trop cool! Bien, j'ai lavé mes mains. Maintenant, il faut les sécher. Vous, profitez de la vue! Oh! Hey! Ok, descendons l'escalator. De l'océan. Venez.
C'est comme si on était sous l'eau. Regardez par là. C'est génial. Je vous présente les grands fonds scéniques. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Venez au combat! Wow! Hey, regardez! Hello! Hey! Ça, c'est un lion de mer! Oh! Et il y en a un autre, juste par ici! Oh, c'est si gros! Oh! Cool. Oh, regardez, regardez. Oh, hello. Wow. Et il y a aussi un phoque pas loin. Allons essayer de le trouver. Ah, voyons. Oh, le voici. Hello. Vous voyez ça, là? Ça, c'est un phoque. Hello! Alors, on a trois lions de mer, d'accord? Et un phoque. Et la meilleure façon de les différencier, c'est ça. Je vous montre. Donc, si vous êtes un lion de mer, vous utilisez vos nageoires pectorales pour marcher un peu comme ça. Mais les phoques ne font pas ça. Les phoques... Oh, hello. T'es curieux, hein? Il est curieux. Waouh. Ça, c'est un lion de mer. Donc, il marche avec ses nageoires. Hello, 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 hello. Ils sont très malins, ces animaux. Vous voyez comme il me suit? Je vais essayer de changer de direction. Wow! Ok. Les phoques, ils ne marchent pas comme ça. Vous savez, ça, c'est un lion de mer. Lion de mer. Et un phoque, ça n'a pas autant de puissance à ce niveau. Et c'est plus ramassé et trapu. Alors, voilà comme ils font. Oh. 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 En fait, il se dandine. Oh. C'est bizarre. Waouh. Quelle magnifique créature. Et regardez-les un peu encore. Waouh. Des pingouins. Ouais. Nous sommes dans les coulisses de l'aquarium et nous allons voir quelques pingouins. Allons-y. Ok. Marchons tout doucement et soyons très calmes également. Hello. Salut. Qui êtes-vous? Hutch. Oh, voici Hutch. Ok, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille avec les pingouins et les reptiles. Ah, les pingouins et les reptiles. Vous voyez les pingouins là derrière? Oh, hello. Ce sont les deux seuls pingouins ici? Oh non, nous avons d'autres amis qui arrivent. Voudriez-vous prendre un jouet? En fait, nous allons jouer avec eux. Ah ouais? Ok, prenons un jouet et voyons un peu plus de pingouins. Oh, regardez par là! Tu
J'adore tous les mouvements avec les jouets, vous voyez. On a donc Violette, qui est déjà là pour nous saluer. On dirait qu'elle aime bien mon ombre. Cela peut arriver, les pingouins adorent le contraste des couleurs. Et ils voient aussi les couleurs réellement. Ils ont des bâtonnets et des cônes dans leurs yeux, un petit peu comme nous. Ok. Bien que ce soit des oiseaux, ils se comportent comme des petits chats, hein? Juste un peu. Ils aiment jouer avec tous les différents types de jouets. Et juste comme les petits chats, ils nous disent quand ils veulent être touchés. Ok. Intéressant. C'est hyper cool. Hé, venez plus près. Oh, bye bye. Les pingouins sont trop coquins. Et d'où viennent ces pingouins alors? Ces pingouins sont d'Afrique du Sud et... Et? On en a 32 spécimens ici, dans l'aquarium. Waouh, 32 pingouins ici. Et ils viennent d'Afrique du Sud. Ah, pas d'Antarctique? Pas de l'Antarctique. C'est en réalité l'une des espèces de pingouins qui préfèrent les climats chauds. Oh, ok. C'est hyper cool. Intéressant. Climat chaud et pingouins. On en apprend tous les jours. Hé, allons nous asseoir par ici. Car Hutch va nous amener un pingouin ici. Oh, j'ai trop hâte. Je vais toucher un pingouin. Oh, hello. Salut. Ah, alors, je vais toucher le pingouin. Avec deux doigts, doucement sur son dos. Hey, tu es prêt? Oh. Oh. C'était si doux. Saviez-vous que les pingouins ont une très forte densité de plumes? Ouais, elles sont toutes petites et très denses. Je le touche à nouveau, Hutch? Oui, tu peux. Hé. Hey. Ça fait du bien. T'aimes ça? Là, elle fait son numéro pour vous. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, quand elle secoue la tête? Ça veut dire qu'elle est très heureuse et... Vous pourriez peut-être être son nouveau copain. Oh! J'espère qu'elle ne veut pas un bisou. Oh! Hello! Ça, c'est un petit pingouin bleu. C'est assez petit. Waouh! Ce tableau donne les tailles des différents pingouins. Oh! Là, c'est le pingouin d'aujourd'hui. Un pingouin africain. Waouh! Et ils deviennent de plus en plus grands. Waouh! Waouh! Regardez comme ils sont grands. Oh! Regardez la taille de ce pingouin là. Oh! 1m30. 1m30 de hauteur. Waouh! Regardez comme c'est grand. Oh, c'est un très grand pingouin. Wow, regardez un toucan. Vous voyez son bec? On dirait un peu la forme d'une banane. Très colorée la banane. Il y a un autre oiseau par ici, venez. Wow. Hello! Les couleurs du perroquet! Hello! Comment ça va? Wow! Alors, nous avons du jaune, bleu, et sur sa tête, c'est vert! Hey! Hey! Il y a un autre animal juste là-bas que je veux vous montrer. Venez! Regardez!
Regardez cet animal! Il bouge très lentement. Oh, connaissez-vous cet animal? Oui, c'est un paresseux. On fait le paresseux ensemble? Ce sont des loutres. Elles sont trop mignonnes. Regardez-les aller sous l'eau. Wow! Je parie qu'elles retiennent leur souffle très longtemps. Wow! Elles vont vite. Oh! C'est un peu comme des chats dans l'eau. Mais pas des petits chats. Wow! Hey! Hello! Ouh! Voilà un autre! Oh! Cool! Oh! C'était tellement fun d'étudier toutes ces créatures de l'Odyssée de Scottsdale en Arizona avec vous! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, ce que vous avez à faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien! On se voit vite!